Salut à tous, ici tout nu pour ce nouvel épisode et donc on reprend dans le niveau neigeux. Vous rappelez, on était coincé au niveau du shop, on savait pas quoi faire, donjon fermé, etc. Je me suis renseigné et en fait ces rats ont une utilité pour entrer dans cette maison. Vous allez le voir tout de suite, je vais vous montrer ça. Vous voyez des plaques de pression sur le côté. L'idée en fait c'est de bloquer le rat dessus avec le boomerang pour ensuite rentrer dans la maison. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Clac, le rat est bloqué. Et voilà, je me suis raté. Donc voilà, vous avez compris le principe. Ça peut devenir chiant. Elle est partie, mince. Allez, va sur la plaque toi. Donc voilà, pour rentrer dans la maison et poursuivre notre aventure comme il se devait. Voilà. Donc, on est dans la maison. Visitons. Hihi. Rien du tout. Ah, un levier. Ce qui pourrait s'avérer intéressant. Viens là, toi. Tac. Tac, tac, tac. On continue à explorer. Encore un levier, dis donc. Clac. Belle bibliothèque, hein, soit dit en passant. Clic. Y petit rubis. Oh là 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 là. Une petite émeraude. Tac. Petit lag aussi, c'était cadeau. Donc la porte est ouverte. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette maison? Intéressant. Des araignées. Ah là 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 là. J'ai marre les araignées, il y a des araignées partout. Tiens, prends ça. Toutefois, je préfère les araignées au squelette archer, hein, de très loin. Oh. Et là, il y en a un peu beaucoup, ça commence à être chiant. On peut rien voir par la fenêtre, en plus il fait nuit. Tac, tac, rien du tout ici. On commence par aller là. Encore une araignée. Oh cool, un tableau. Je vais le mettre dans ma collection. Encore un autre. Je suis là pour tout casser, moi. Encore un autre tableau. Viens là. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Raw pork chop. Ok, c'est à manger. C'est à manger. C'est un petit steak cru. Si jamais... petit creux. Petit pique-nique. Comme ça. Balcon. Oula. Eh, on me voit, player 798. C'est moche ça. Oh, on a vu qu'il y avait un coffre en haut. Oh, on a vu qu'il y avait un coffre en haut. Eh ben, on va y aller. On va tout visiter. Comme ça, on loupera rien du tout. On n'aura pas de regrets. Qu'est-ce que j'ai ici? Cool, un tableau. Je suis là pour tout casser, moi. Je peux rien casser dans le jeu à part les tableaux. Donc, j'en profite et je casse les tableaux. Cool. Ah, là, j'ai été intelligent de checker les fours. Ça, je me jette pas de fleurs, non, 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 je dis juste que je suis intelligent d'avoir checké les fours. Donc voilà, on est allé là, c'est bon. On va maintenant aller ici. Slimball. Ah cool. Ah ça c'est cool. Ça c'est très cool parce que j'en ai plein à vendre. Et c'est ainsi que je vais pouvoir m'acheter la canne à pêche sûrement. Là je me suis fait un paquet de thunes. Ah non. 60. J'ai encore des slimball, je peux pas les vendre? Non. Ah, ça se vend 10 par 10, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Mais c'est déjà cool, un tableau. Un griffeur est né. Aïe, 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 aïe. Donc ça c'est sympa. Ce que je disais dans l'épisode précédent, que c'était chiant de pas pouvoir se séparer de ces items inutiles. Et donc, montons à l'étage pour trouver ce coffre et ces araignées qui sont les boss de la maison. Mais c'est tout nul, boss, les mecs. Restez tranquille, ok. Tu t'écartes un petit peu, voilà, t'approches pas trop. Tac. Oh là 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 là. Oh non, pas eux. Non, monsieur, pas eux. Non. Ah, il suffit que j'en parle pour que deux secondes après, voilà, il y en ait. Fuck, 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 fuck. Mais bon, on va quand même s'en sortir. Hein. On va pas se laisser abattre, on a vu pire. Donc voilà, c'est pas non plus... Bon. Il en fallait, on va dire ça, il en fallait. Pour le bon déroulement de cette aventure. Ouais, donc voilà, des 4 coffres, ça c'est cool. Des flèches, bon, j'en avais déjà, mais pas important, pas important non plus. Pas important. Ah,
Ça, j'aime bien. Je préfère déjà. Je préfère largement. Donc voilà, je pense qu'on a récupéré ce qu'il y avait à récupérer dans la maison. Donc on continue. Écoutez, on va pas s'arrêter pour si peu. Non mais oh, tu as fini de me plaquer contre le mur comme ça, hein? Et donc on repart de cette maison et on va ouvrir la porte grâce à la clé. On va ouvrir la porte grâce à la clé. Voilà. Tac. Et il fait jour. Ah merde, putain de rats qui m'attendent à la porte. Moi je peux les buter maintenant. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parti, hein, en avant. En avant vers la porte. Que va-t-on trouver derrière cette porte? Je ne sais pas. Peut-être encore un donjon, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus de donjon maintenant que c'était fini, que c'était... Il faudrait attendre une mise à jour de Monsieur Gary. Donc, bon. On va voir. Écoutez, ça sert à rien de spéculer là-dessus. On va voir et on s'en rendra compte avec nos propres yeux. Hyrule Field, le champ Hyrule. Cinématique. Un grand champ, ça va être chiant à traverser ça. Qui dit champ dit peut-être lac, dit peut-être canne à pêche, dit peut-être pêcher du poisson, dit peut-être retourner acheter une canne à pêche. Non? Bon, tant pis. On y retournera tout à l'heure. J'espère pour vous que j'ai pas besoin de cette canne à pêche, hein, sinon... vous m'avez dit de pas y retourner, alors j'y retourne pas, mais... C'est très vaste ici, on n'arrive même pas à voir les bouts. Alors, tout droit vers l'escalier qu'on a pu apercevoir. Oh, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Oui, je me disperse. Mais je trouve que c'est joli. La musique est sympa aussi, on l'a pas entendu encore celle-là. Donc big up pour la musique. Alors, under construction, en construction par Monsieur Gary sûrement. Donc voilà, donc je pense qu'on sera prévenu de la fin, hein, contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre dans l'épisode précédent qu'on arriverait à un endroit et bon bah c'est fini. Non, je pense qu'on aura une fin tout de même officielle, bien que ce soit une démo, hein, je le rappelle, cette map est une démo, elle est non finie, d'où la partie en construction là. Donc on verra très bien quand ce sera la fin, voilà, pas d'inquiétude. Donc pour l'instant, on profite de ces petites aventures et puis... Et puis on verra bien là où ça nous emmènera. Et quand ce sera malheureusement fini. 3 fois que dalle ici. Ok. C'est toujours ça de prix. Du gros que dalle. Qu'est-ce qu'il y a ici? Cinématique! Monsieur, il n'arrête pas là! Oula, petit cœur ici. C'est de le choper avec un boomerang. Boomerang. Peut-être un peu loin, non? Il est peut-être un peu loin. La question c'est comment va-t-on faire pour atteindre ce cœur, enfin ce quart de cœur. Il semble que c'est un quart de cœur. Cool, levier. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est magique. Donc là, à mon avis, il faut que je vienne d'en face. Je suis en train de montrer mon écran avec mon doigt. Hein. Je suppose que vous avez dû mieux comprendre où fallait aller du coup. Réflexe de merde, voilà. Donc vous voyez la neige là, à mon avis, il faut venir là, sauter pour aller chercher le quart de cœur. Oh, il y a une échelle en plus ici, on pourra passer par là. Eh ben écoutez, on va pas s'en priver. Donc on va aller là déjà. Ah, oh, bordel, lag. Donne-moi ton cœur, voilà. On va descendre. Wow! Pourquoi ça a disparu là? La petite île, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Monsieur, allô, il y a un bug. Tout a disparu. Comment j'ai fait maintenant? Comment j'ai fait maintenant? Bah écoutez, c'est une bonne question. Peut-être qu'il y avait une tempo. On entendait un petit bruit. D'ailleurs, je vais en profiter pour remonter le son. 2 secondes. Voilà, on reprend. Le son est monté. Je crois qu'il y avait une temporisation sur le petit levier. Et c'est sûrement ça qui a dû faire disparaître mes plateformes, malheureusement. Toutefois, le délai a l'air assez court pour atteindre ces plateformes. Ouais, on entend la tempo là. Allez, vite. Vite, vite.
Pas le temps pour toi. Allez! Plus vite! C'est parti, plus vite! Oh, magnifique. Voilà, à vouloir faire le bolos. Alors aller trop vite, et ben on rate, tout simplement. Et voilà, là on disparaître. Voilà. Bref, non, il y a l'air d'avoir quand même le temps de passer, en toute logique, sinon ce serait infaisable. Donc, bah écoutez, on va prendre notre temps, et puis on va faire ça bien. On va faire ça bien. Allez, on remet le petit levier. Tac. L'araignée qui est venue jusqu'ici, hein, on peut le voir. Allez, c'est parti. J'ai pas le temps pour toi, dégage. Ouh, ça c'était bâché. Ça. Comment bâcher une araignée? La leçon. Bref. Allez, peu de concentration, cette fois-ci, on le réussit. Et on le réussit bien, quand même. Ouais, bien réussi, hein. Dès le premier, je me glande. What a noob. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Scandale. J'ai réussi à me vautrer de l'échelle. C'est beau. Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. Bon. On va essayer de réussir ce petit passage quand même avant la fin de l'épisode. Ça me semblerait cool, hein. Cool. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Merci. Alors. Je remets le levier en place et je vais réessayer. En essayant de ne pas me vautrer dès la première plateforme, hein, c'est mieux. C'est mieux. C'est pas indispensable, hein, mais c'est mieux. Alors, essayons. Essayons. Ouh, l'araignée, je l'ai vue. Allez, c'est parti, concentration. Par là, peut-être. Voilà, plus simple. Clac. Magnifique, magnifique, tout nu. Belle perf, grosse perf que tu nous offres là. Et sur ce, on se retourne activer les plateformes. Ah là là. Bon, allez, on essaie une dernière fois. En espérant que ce soit la bonne. J'ai déjà gagné du temps en l'activant avec le boomerang. Ce sera peut-être pas mal. Ouais, c'est bon. Je peux d'ici. Allez, je suis parti. Allez, je baisse le fog histoire de pas laguer du tout. Et puis, en avant. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Dégage. Allez, c'est parti. On y croit. Et de 1. Et de 2. Et de 2. Ah, chier. C'est chiant. J'aurai pas le temps. Et de 1. Ça va être très juste. 2. 3. Allez, vite, vite, vite. 4. 5. 6. Allez. Yeah, man. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. J'ai eu le temps de me vautrer et tout. C'est nickel. Nickel, nickel. Et donc, on se quitte pour cet épisode. Et à bientôt, hein, pour le prochain épisode, tout simplement. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.